Leçon numéro 8 de l'école du sabbat. Le sabbat est la fin. Le sabbat est la fin. Sabbat, 13 mai 2023, après-midi. Lecture de la semaine. Jacques chapitre 2, le verset 8 à 13. Deutéronome 5, le verset 12 à 15. Psaume 33, le verset 6 et 9. Apocalypse 14. 2 Pierre 3, le verset 13. Apocalypse 21, le verset 1er. Verset à mémoriser. Je cite, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Fin de citation, Éphésiens chapitre 3, verset 9. L'essence de la dignité humaine se trouve en ce que nous avons de commun, la création. Le fait que nous soyons créés de manière unique par Dieu confère une valeur à chaque être humain. L'enfant dans le ventre de sa mère, l'adolescent tétraplégique, le jeune adulte trisomique et la grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer ont tous une immense valeur devant Dieu. Dieu est leur père. Ils sont ses fils et ses filles. Je cite, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul, habitassent sur toute la surface de la terre. » Fin de citation. Actes chapitre 17, le verset 24 à 26. Notre héritage est commun. Nous appartenons à la même famille. Nous sommes des frères et des sœurs créés, formés et façonnés par le même Dieu. La création nous donne un véritable sentiment d'estime de soi. Quand les gènes et les chromosomes se sont réunis pour former la structure biologique unique de notre personnalité, c'est Dieu qui l'a fait. Il n'y a personne d'autre comme vous dans tout l'univers. Vous êtes unique, une création unique en son genre, un être d'une valeur si immense que le Dieu qui a créé le cosmos a pris sur lui notre corps de chair et s'est offert en sacrifice pour vous et vos péchés. Fidèles auditeurs et internautes, étudiez cette leçon pour le sabbat 20 mai 2023. Que Dieu vous garde. Amen.